Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à toutes et à tous sur le Red Bull Ring Spielberg en Autriche avec la marque autrichienne et le fer de lance de KTM Brad Binder. C'est parti pour un tour du circuit, premier virage remonté et nous allons faire un 90 degrés à droite. C'est reparti, gros freinage, on place la moto et on réaccélère le plus tôt possible pour se diriger vers une section assez récente. En 2021, Fabio Quartararo nous a gratifié d'un magnifique dépassement sur Jack Miller dans ce virage 2A ainsi que 2B, et on se dirige vers le virage le plus mythique de ce circuit, la remontée vers cette épingle ultra serrée. On place la moto, on freine fort, on réaccélère, le Ride Height Device qui est activé pour garder la moto le plus possible au sol. La puissance de cette KTM, hein, ce circuit en stop and go, vous le voyez, de grosses phases de freinage comme ici pour le virage numéro 4 en travers où on vient arrêter la moto et ensuite on repart très très fort. C'est ça le stop and go, ça convient parfaitement à la KTM. Et là nous arrivons dans ce troisième secteur, la phase la plus rapide, la plus technique de ce circuit. Nous allons avoir de longues courbes comme celle-ci où on va devoir emmener beaucoup de vitesse et la moto doit être très très stable pour passer très rapidement dans les courbes. Allez, changement de direction, le filet de gaz petit à petit, on va remonter dans ce dernier double droite ultra rapide où Miguel Oliveira en 2020 est venu s'imposer de manière magnifique. Et aussi on a eu ces fameux duels Dovi-Marquez. Merci d'avoir regardé ce tour au Red Bull Ring, je vous laisse profiter de la POV. C'était Théo, ciao ciao, bon week-end à tous.